Do my best,
Chose. Jean-Baptiste, alléluia. C'est le frère Jean-Baptiste. Il vient de la France. C'est ça. Et frère Jean-Baptiste, voici, tu as cru à la parole, tu as cru à la sainte doctrine. Alléluia. Mais elle s'est devant le ciel. Tu reconnais la divinité suprême de Jésus-Christ. Tu reconnais que Jésus est Dieu. Quand en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Tu reconnais que la Trinité, c'est un faux baptême. Alléluia. Parce que le baptême, comme le Pierre disait, repentez-vous dans les actes des apôtres, et que chacun soit baptisé au nom de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici, tu dois savoir que Jésus-Christ est mort avec nous sur la croix. Il est parti mourir sur la croix avec nous. Et aussi ressuscité avec nous. C'est pour ça que lorsque nous allons te plonger, alléluia, et tu vas mourir avec Christ. Tu vas ressusciter avec Christ. La Bible dit que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est passé les actes dont les ordonnants nous condamnaient. Donc tu vas savoir que lorsque nous allons te plonger, amen, tout ce qui te condamnait, ce que l'ennemi t'accusait avec là, ça va partir dans les yeux, dans les années. Et lorsque nous allons te t'enlever de l'autre, soulever, tu deviendras les créatures. Ressuscité. Alléluia. Et nous allons te poser une question. Quel est le péché? Est-ce que tu as un péché à confesser aujourd'hui avant qu'on te plonge devant Dieu et devant les hommes? Un péché à confesser, je ne sais pas, qui te dérange, tout ça là, un péché que, Dieu, que tu as caché. Ou bien que tu as oublié de confesser. Amen. C'est ta libération. Ce jour, c'est peut-être l'implicité. L'implicité. Mais je ne cours pas derrière les femmes. Je dis en fait que je peux marcher dans la rue. Voilà. Voilà Jésus. Maintenant, qu'est-ce que tu promets au Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu promets au Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu promets au Jésus-Christ après le fait qu'il va te ressusciter? Il va te donner la vie éternelle. Quelle est la promesse que tu lui fais? Lui qui te met sur le chemin du salut. Lui qui t'a sorti des ténèbres, de la mort, de la malédiction. Qu'est-ce que tu lui promets? Quelle est la promesse que tu lui fais? Peut-être à son service. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le serviteur de Dieu dit que il promet au Seigneur Jésus-Christ de le servir. Après la grâce que le Seigneur Jésus-Christ lui donne, il le promet de le servir. Et c'est une grande chose aux yeux de Dieu. Le Seigneur a enregistré pour sa gloire. Voilà. Ouais, tu vas pour ça. Tant que Dieu me ne veux pas découper. Lorsqu'on va te plonger, tu pèves. Jean-Baptiste. Nous te baptisons au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as dit?
Alléluia. Le frère Jean-Baptiste dit que il a reçu, lorsque nous avons plongé dans les eaux baptême, il a reçu la paix dans le cœur. Un grand fruit du Saint-Esprit. Un grand fruit de paix d'esprit, selon le livre des Galates, c'est verset 22. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons été revêtis. Le Seigneur Jésus nous l'a demandé dans sa parole. Nous nous revêtons. Nous mettons à ta tête le casque du salut. Le Seigneur t'accorde la grâce de travailler à ton salut. Le Seigneur permet que les mauvaises pensées, la fausse doctrine ne puissent pas pénétrer ta conscience. Au nom de Jésus, à ta pratique, nous te mettons la courage de la justice. Tu marcheras désormais sur la justice de Jésus, au nom des hommes et non de la tienne. La justice qui vient du Saint d'Israël. La même chose, nous mettons le boulier de la foi. Je veux bien que le cœur enflammé de nous, parce que l'ennemi t'enverra des flèches, des semences, des attaques. Et ce bouclier te permettra de les éteindre au nom puissant de Jésus. Ce bouclier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus. À ta main, doit nous te mettons l'épée de l'Esprit, le glaive de l'Éternel, la due et l'épée du Seigneur Jésus-Christ. L'épée à double tranchant, l'épée de feu qui va te permettre, et qui est l'Esprit, la parole de l'Esprit, la parole de la Sainte Doctrine. Je te permets de payer le monde de couleur pour ses yeux. Taille tes ennemis. Taille tes ennemis. Avec autorité. Les adversaires. La Bible dit que le diable est notre adversaire. Les ennemis. Amen. À tout même te mettons la ceinture de la vérité. Et dit, je suis le chemin, la vie, la vérité, c'est que Jésus encore lui-même. Tu marcheras désormais dans la vérité. Tu vas haïr. Tu auras le dégoût pour le péché, le dégoût pour la fraude, le faux, le mensonge. Parce que tu as désormais Jésus-Christ en toi. À toi, nous mettons les chaussures du zèle de l'évangile. Nous donne la paix. La parole dit que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Tu le racontes. Partout le Seigneur va t'amener, tu vas évangéliser. Et bien voilà sa parole. Oh, qui sont beaux, notre Seigneur t'annonce l'évangile. Et le Seigneur te remplit de la paix. Il te remplit maintenant. Il te remplit de la fermeté, de la persévérance, de la fidélité. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu ailles rejoindre au ciel. Désormais, tu seras une lumière pour les nations, pour éclairer les autres noms puissants de Dieu. Seigneur, fais de toi une véritable flamme de feu. Car tu es de ses âmes devant et ses serviteurs de flamme de feu. Maintenant, le Seigneur t'a préparé, le Seigneur t'a apprêté pour son nom, pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Gloire à Jésus. Tout va bien. Oui, oui, tu es habillé. Il est habillé. Tu es changé rapidement, c'est habillé. Gloire à Jésus. Laisse-la, elle va venir. Elle a l'habitude de venir ici. Elle a l'habitude ici. Elle habite ici. Elle t'a reçu là. Elle a l'habitude d'être là. Le Seigneur te donne le nom de Bethsabé. Bethsabé, Bethsabé. La sœur qui s'appelait autrefois Eunice reçoit le nom de Bethsabé. Bethsabé. Qui était la femme de Uri, qui est devenue la femme de David, la mère de Salomon.
Donc voici la mère de Salomon, la femme de David, le roi David. Bethzabé. La femme de David, la mère de Salomon. Donc voilà pour la gloire de Jésus-Christ. Un seul baptême au nom de Jésus-Christ. Le baptême au nom du Père, du Père, du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. La Trinité ne se balance pas dans ce monde. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous avons tout le monde dans ce baptême. Amen. Tous tes péchés, devant tout ça, on va partir dans les abysses. Comme la parole de Dieu nous déclare. Alléluia. C'est-à-dire que qui nous condamnait dans le passé, qui nous condamnait hier, tout ça, ça se balance. Tout devient une autre chose. Car nous lui avons pris. Résister avec le risque. Là, c'est une étape pour la marche chrétienne. Il va être le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. On attend le Seigneur. La sœur dit que après la grâce que le Seigneur lui a faite, va lui faire encore. Elle promet de servir le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Amen. Pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Ah, nous te baptisons. Bethzabé, nous te baptisons au nom de Jésus de Nazareth. Reçois. Sois rempli. Seigneur, remplis-la. Seigneur, remplis-la pendant que tu l'as rempli, fais un scandale. Seigneur, tu sais qu'elle est venue à toi. Elle peut venir à toi, elle est en mauvais état. Et tant, avec l'âge de ses enfants, tu ne seras pas de ta gloire. C'est que tu l'as rempli, Je vais m'amuser avec le calme. Quel est-ce que tu as fait?
La sœur Betzabé, elle se sent légère. Elle dit qu'au départ, elle se sentait lourde, mais quelque chose est sorti de son corps qui l'a rendue légère. Le Saint-Esprit l'a libérée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons te revêtir. Nous te mettons à la tête de casque de salut. Le Seigneur t'aide à préserver ton salut, à travailler à ton salut jusqu'à la fin, jusqu'à ce qui va t'amener au ciel. Mets-toi à ta partie naturelle de justice. La justice désormais, c'est la justice de Jésus-Christ. La justice du ciel, et non des hommes, et ni de la tienne. Nous mettons à ta main gauche, le bouclier de la foi pour éteindre le terre enflammé de l'ennemi. Et ta foi doit être agréable au Seigneur Jésus-Christ. À ta main, mettons l'épée de l'esprit qui est la parole de la Sainte Doctrine, l'épée à double tranchant. Avec ça, tu devras tailler l'ennemi et toutes ses œuvres. Taille tes ennemis. 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 Taille. 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 Taille tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à terre, nous mettons la statue de la vérité. Désormais, ta vie, c'est la vérité. Et tu dis que si je n'ai pas vu la vérité, tu vas marcher selon la vérité. Tu vas fuir la mauvaise fortune, les mauvaises œuvres, la fraude, la société, la fraude, tout ce qui est mauvais. Tu vas vivre dans la vérité sous les yeux de Dieu, au nom de Jésus. À tes pieds, nous mettons les chaussures du sel, du l'évangile. Nous, tu donnes la paix. Nous, tu vas courir pour l'évangile. Tu seras une lumière pour les nations aussi. Comme le Seigneur nous a tous envoyés, lui aussi t'envoie. Lui, tu n'auras pas honte. Parce que la Bible dit que je n'ai pas honte du salut de l'évangile. C'est le salut de quiconque croit et une puissance. C'est le salut de tous et de une puissance de quiconque croit. Donc, le Seigneur t'accorde de cette grâce. Nous te mettons le feu de la persévérance, de la fidélité jusqu'à la fin dans les voies du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as reçu, Seigneur, tu devras pas t'éviter les enfants que voici, éternel mon Dieu. Seigneur, je te remercie, Seigneur, accompagne tout le monde de leur marche, leur accompagne, Seigneur, je te fais voir, que ça ne va te faire jusqu'à l'heure, même s'il arrive à la persécution, les épreuves. Nous venons d'accomplir la volonté du Seigneur Jésus-Christ qui a voulu accueillir dans sa gloire ses enfants, le serviteur de Dieu Jean-Baptiste et la servante Betsabée. Nous pouvons que bénir le Seigneur qui ne cesse de rajouter les âmes dans sa gloire. Et nous savons qu'il va continuer comme il a commencé, il va continuer. Nous le bénissons, nous le bénissons, nous le levons, nous le disons merci infiniment. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus. Jésus. Et si tu pourras aller aussi, nous prenons chemin pour aller au ciel. Et si tu pourras aller mieux, les anges, Vous devez savoir que le baptême, toujours pas moins ce que tu dis. Le baptême serait que l'étape de la marche chrétienne. Alléluia. Donc, ce n'est pas ça qui garantit le ciel du monde. Amen.
C'est pas que dès que tu te baptises, tu retournes dans tes corps, dans tes vies, tu retournes dans ta vie passée. Alléluia. Le baptême, c'est également. Le Seigneur veut vous voir. On te donne toute la marche pour être. La Bible dit que n'abandonne pas ton assemblée. Comme font plusieurs, ça signifie quoi? Si le Seigneur t'a fait grâce, amen, que dans ta ville, il y a une église qui prêche la sainte doctrine. Alléluia. Le Seigneur demande de ne pas l'abandonner. C'est-à-dire quoi? Tu veux qu'il y ait les sanctifiés de l'église. Vous comprenez? Mais maintenant, comme la Bible le dit dans le livre, comme le Seigneur a dit que Dieu viendra où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Si dans ta ville, il y avait une assemblée qui prêche la sainte doctrine, que tout ce que tu as, la prospérité, tu as tout ça. Le Seigneur est permis que tu restes chez toi, dans ta chambre, tu l'adores en esprit et en vérité. Il va te répondre. Mais comme il y en a, le Seigneur demande que tu sois toujours là. Parce que ça, c'est seulement une étape. Il va aussi parler avec toi. De jour en jour. Si tu es fidèle, si vous êtes fidèle, alléluia. Donc, c'est le message que nous faisons, c'est ce message que nous faisons. On a la joie. Donc, Jésus. 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 La soeur. Même ton nom te dépasse. Bethsabé. 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 Ton nom te dépasse. The wife of David. Le roi of David, la femme de Salomon. Le roi of Salomon. Ok, nous avons parti. La fête Bézabeth et le frère Jean-Baptiste.